Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt sur le temps. Je reviendrai pas sur la richesse du temps. C'est-à-dire que pour moi, je vois la vie un peu différemment suite à ce premier chemin-là. La richesse financière est beaucoup moins importante que la richesse en termes de temps. Avoir le temps, du temps à passer soit avec soi-même, avoir du temps à passer avec ses proches, ses enfants, c'est pour moi devenu une priorité. Il y a ça, puis il y a tout l'aspect de la liberté aussi. Avec la richesse du temps vient aussi la richesse de la liberté. C'est-à-dire qu'on, dans notre quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais on s'attache, on passe notre vie à nous attacher des ficelles et des cordes partout. Ah oui, je suis obligé de faire ça, puis oui, je suis obligé de faire ça, puis il faudrait que tu fasses ça. Ben, le chemin m'a aidé à couper pas mal de ficelles, et je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui que je l'étais avant ce premier chemin-là.